Amen. Yemega dutena alo kenadi le gbedede le mau pe nkomea mega kenadi plio ebe ye ke va doa e ite de nagbe abe donono hodo yoyo nko agba to re po nu gba fa re zo ebe yi avado yi ade yo no gbedom da fira de gbo po de fira ba o jibe po nu po ve na vi onye de ka po na nu de ka be po na nu o e gba do ile da be ame yo nku gba na no po nu kwa de vi ato pa do do dada mo le po nu lo dada mo le po nu lo dada mo le po nu lo. Oh, hallelujah. Amen. Hey, choy magic akavana gbe ya devia, ele kpon nuka kava sere egbe. Hey, le ipetu aji ba vade akblo kwero konye be ke ivala. Le ile changa fi ba yimuka le no. Ma utro ibe minister, esi amina yi. Ele tu eji le wonukunu ke igava fi fi la, ibe adakpe nebe amisisi yeye ya ga kho aga ajo. Amen. Hallelujah. Alors le pasteur que voici remercie le Seigneur cette nuit. Il dit qu'il vient du Bénin et il dirige un centre de prière. Et lors du séminaire passé, il était aussi venu dans le camp ici. Le problème qu'il avait, c'est que quand il prie pour les malades, lui-même, il n'a pas la foi authentique de la prière qu'il faisait aux malades. Il doute encore de ses prières. Comme quoi, est-ce que jusqu'à la fin maintenant, quelqu'un serait guéri ou pas? Alors c'était dans cet état de doute qu'il était avant de venir dans le camp ici. Alors, lorsqu'il était venu au cours du programme, et après un programme de la matinée, l'homme de Dieu avait exhorté tous les serviteurs de Dieu qui étaient venus ici de se préparer correctement parce que la soirée ne serait pas facile dans la prière. Alors, le pasteur dit qu'il avait pris en considération cette exhortation et lorsqu'il était venu le soir, il s'est vivement connecté à l'esprit de l'homme de Dieu. Il déclare que l'homme de Dieu avait exécuté une chanson le jour-là qu'il a un peu oublié. Et lors de l'exécution de cette chanson, la puissance de Dieu s'était grandement manifestée au point où lui-même, il l'a senti dans tout son corps. Et lorsqu'il est retourné au pays et qu'il a recommencé le ministère, il déclare qu'un courage et une foi authentique l'animent maintenant. Et quand il prie maintenant pour les malades, il n'est plus animé de l'esprit de doute. Et ce qu'il a encore surpris agréablement, c'est que lors d'un programme, il y avait deux jumeaux qui étaient venus et l'un des jumeaux souffrait de la cécité. Il ne voyait pas. Mais au cours de son intervention, il a prié déclarant que tous ceux qui souffrent de la cécité recouvrent maintenant la vue. Alors, le frère jumeau qui souffrait de la cécité s'écria dans la masse comme quoi « J'ai recouvré la vue, j'ai recouvré la vue » et c'était de l'enthousiasme le jour-là dans le centre de prière. Et depuis ce temps, son ministère a connu une transformation radicale jusqu'à ce jour et il est là afin de témoigner et remercier le Seigneur. Non seulement il est là pour remercier le Seigneur, mais il est encore revenu afin de recevoir une portion de cette onction pour la suite de son ministère. Acclame Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'a d'appelé Amégan. Egbe ore tosia. Je m'a d'appelé Amégan lo mo vi doji Paul. Be ma wu ni siami ni sugbon. Ego be ma wu toji e won ka gan la gbeyin mi. E won sugbon e ma wu de fiam plus de 10 fois. E pon pon nam sugbon. Je m'a te gbon le vi voir nous que ma toi si non me veut perdre ka bu mento ma ba di dasia. Et comme va séminaire janvier toi passé à amegan elle toi sinarodi et toi sinu sigba meton
va ndoje sibena nene be noa nyemu wanele bliboye nyemu eto asi kokonye nyeji be mo be mo be pan de la menye evangeliste menye be midula no agbele kokonye nyeme eye midula no agbele nyatepe me eye midula no agbele jojo nyenyeme eye eto asi ele pan ya janvier passé abena ne mo ba mede ele no agbele kokonye nye blibo le jojo nyeme na zeto 10000 o subon ita pepe o mate wo mre pepe ni o ya haleluya amen enya ewo dore jinye subon eye mu wo chacha le kwa me benem tro jua e doya ma wo le koko nye blibo me amen ma wo do ele nya tepe me amen ma wo do ele jojo nyenye me amen haleluya amen haleluya amen eye enya jojinam mu wo decision le kwa me e to gbera chareta nya tepe ya kem jua mzon le me eye mu le zore me kaka na bi fi ma o tron gbogboro la gbenye mi amen nem to gbere la mo te bi fia ma o le yo donawo ma o le won kunu eye ma o dem to le nsugbon mi e dem to le ha ha o mi ne nyem so ne be nwa di do o mo wa e la nyi be na fuko mo le pesan ma ko to an o pe ne ma va fie san amo o dun ahuna mi ifia ma o le yira yin to mo le va haleluya amen amen ma o le yira mje ma da pe ne amega be e wo to gan re la pa gbenye mi Eva ba me be ma wewe ma wewe ma utoji we ma utoji ya eh mo ba me ntoto benyi amen fasi kwere jama jina fasi kwere jama jina oh hallelujah amen eh e go me yibra ndura gbera ngula be ma wona de e ba me ntoto so fion funa be de so fion le jama wo le won ne o chon le hade me a e pa so ke le kloa aron to gbera be na ni mo ba mi to to be nya ma une de so fion yi ya e la de so fion la po ya haleluya amen eh ma pa so pe a eh ha ha do la gbenye me e le be mo ba wa sama sama le fie eh mo ma me a pon bo kure sama sama nchi e be no o wa sama sama so do no me a e va do na gbera reta e ke le yesu to ya a yesu to yo gbena Yes, we tell our Joshua Nchi. I don't know what I'm talking about. Okay. Wow. I'm going to talk about it. I'm going to talk Galalomenam. I'm going to talk about Galalomenam. Hallelujah. Amen. Wow. I want to talk about it. Evangelist, I'm going to talk about electricity. Wow. I'm going to talk about Galalomenam. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. No, Vio, I'm going to talk about it. No, be. Amerebe ya o nkudo ye ya be play enyi de ka ve so sa fo na foju be ya wu a o la so demi franc va dare sa ma sa me no jolu me nga be la te wo mate wo ndeko mate wo ndeko po a o enyi be ga me nye 2000 yo ri o cho o la nanu o la o sa ma sa ma ke la te pe wu a mi ato no o nto nyan ke le jiwa e yo bo va sa ma sa ma O boya kwa kwa la sio, o ya kwa nyigba la sio, o so mi fran, sen sa va dara sa ma sa ma nume. Yo la kwa kwa 10000 oba kwa ya. Ao. O mate kwa yon. On va bouta me kaka ben, do la wo sa ma sa ma proportionnellement. Ke la so kudonu ke le jinya. Bena o ma ba kwa gara lo menan ko. Ye mba we, kaka na fifia. Ya. Mba le nene ako. Kwa si kwa la yesu la. Amen. Kwa si kwa la yesu, kwa si kwa la yesu. Aklam jesu. Oh, hallelujah. Amen. No, no, dagble vitukia, nuku vituki olange. No, dagble za. Olange nuku onuka. Quand tu cultives une petite superficie de champ, tu vas moissonner peu de récoltes. Yeah. Amen. Mais quand la superficie est grande, tu vas moissonner beaucoup de récoltes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wama adumse etonyo enonyo. Ko le kwa me le te peya bo o le anyigba nueji ya eye mo gba on gan re kanama mi gbon be mi amoko yin mo be do to mi hon attack e gbo be ni mi vele do gbe ra mo tene ni agbogbon ko le fun o to gan re mi ame o na pa ku do mi gare me mba te peya eye mi nyava amoro o som nam ba se mo do gbe ra mo ta pa ngola be na no sa fo ne mo kho fo sa noa so ba de na de fo sa noa me le fi o so de na envelope mi mbe o nyema ko Donc, au traîné, on va manger encore chez Dieu. Ne m'as pas d'arrêt de payer. Bah, on ne va pas te payer. Il m'a pas savoir. M'as pas besoin de ça. Nous on s'en va. Parce que on enveloppe au Google. M'as pas te payer. Va te donner la main. Semaine que hier, m'as pas te payer. Comme les tissiers miami banagli. Bureau avec mon gérant. Quand on veut tiguer quoi, moi faut un homme j'ai le cas. Oh, si tu places une néa, quelque toi a fonyeté. Alléluia. N'y a pas télévision. Vois, vois ça notre matin. Nous avons un amour. Mle vombe nyamate so mo bonso dare khonye mune la ba jore jinye
Nous la sommes d'arrêt, ça m'a semblé nous mais. On va décider, nous la va. On ne va pas prendre un mec qui va nous faire un peu. On va nous faire un peu de temps. 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 On va Alléluia. Kakamato tu radia à foi magérica. Voici que la Jésus. Acclame Jésus. Voici que la Jésus. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À foi ma. Nietom l'autre avant n'y a pas bureau moi fortana à fonieton. Mouotura kaka patro ou nénia. Kenya va jouer à fonier ou à foname. Jésus dans trois jours. Ya. Amegame ma wa dans trois jours. Amen. Amisitile le toyaji. Kaka la droite bamanou. Jikelation, Jinunawa, Ola Hotoa. Amen. Amen. Yachamiado, Jinue, Afinavana Tepea. Amen. The Mount of Gaganami. Amen. Vieto, Miamauba Mo, a Jiman of Funami, Niava Tepea Le Fio, Omahom de Pepo, Nijinue Lassio, Bemoba Mea, Bedone Conco with the Dia, Ochanta or La Conco with the Dia. Amen. Maude Yamilo. Amen. Voici que la Yasuria Toba. Acclame Jésus. Hallelujah. Amen. Alors, l'évangéliste que voici remercie le Seigneur cette nuit. Il déclare que lors du séminaire dernier, il était aussi venu dans le camp ici. Et il a suivi le ministère de l'homme de Dieu et ses enseignements. Et l'homme de Dieu avait touché certains points dans l'enseignement. Et disait qu'en tant que serviteur de Dieu, on doit coûte que coûte pratiquer la sanctification, la vérité et la franchise. Et tout serviteur de Dieu qui a ces valeurs morales en lui, même si 10 000 de sorciers se réunissent dans le monde contre lui afin de l'attaquer et le nuire, à cause de la sanctification et la prière, il les vaincra au nom de Jésus. Et lui, il s'est retrouvé dans le message. Il a constaté que bien sûr, qu'il propage la bonne nouvelle qu'il est évangéliste, il n'arrive pas à mettre en pratique et de façon parfaite ce que l'homme de Dieu a énuméré dans l'enseignement. Alors, le jour-là, il avait décidément choisi mettre en pratique la sanctification, la vérité et la franchise. Et du retour à la maison, il a commencé par les pratiquer. Et il a constaté en même temps que son ministère a changé. Lui dont le ministère n'avait pas d'impact sur les gens dans le passé, après avoir décidé de mettre en pratique les enseignements de l'homme de Dieu qu'il avait écouté dans le camp ici, son ministère a dorénavant d'impact sur les gens. Quand il prie, les gens ont leur guérison, les gens ont leur solution. Et il est très fier de cela et il tient vivement à remercier le Seigneur, celui qui par l'homme de Dieu a transformé sa vie spirituelle et charnel. Il dit depuis un certain moment, il a intercédé afin que le Seigneur lui révèle un vrai serviteur dans le pays. C'est après cette prière que Dieu lui a révélé l'évangéliste Numobi Dodji Paul. Lui, il a comme conviction qu'il est un vrai serviteur de Dieu sur qui il ne faut jamais avoir de doute. Alors, il déclare ensuite que lui-même, il avait aussi des difficultés financières, l'instabilité financière dans sa vie. Et il était venu dans le camp ici quand l'homme de Dieu parlait de la caisse de convocation et de la lettre à Jésus. Il a décidé de faire la convocation en fonction des difficultés financières qu'il avait. Lorsqu'il est venu faire la convocation ici, après son départ, il a constaté que non, le Seigneur a réglé ce problème financier qu'il avait. Lui qui, avant de venir dans le camp de prière ici, ce sont des gens qui doivent assurer son déplacement à partir d'un bout de temps donné. C'est lui-même qui assure son propre déplacement avant de venir dans le camp de prière ici. Il déclare qu'il est aussi électricien bâtiment. Et il était un jour dans son bureau, après avoir collecté des fonds en guise de sacrifice, et il était assis. Et il réfléchissait sur comment venir dans le camp de prière afin de venir donner ces sacrifices-là qu'il a collectés auprès des gens. Quand malheureusement, l'un des outils de son travail, le burin, était tombé sur son pied.
Il avait même percé, troué. Et c'était devenu une difficulté. Et son pied était grandement enflé. Mais il s'est aussi dit qu'il ne doit pas garder la somme du Seigneur dans sa chambre. À cause de cette peur, il a décidé de venir dans le camp ici malgré les douleurs. Par la grâce de Dieu, il est arrivé. Arrivé sur le site, il se demande comment est-ce qu'il peut même faire afin de faire le tour de ce temple. Mais par la foi, il a commencé par faire le tour du temple. Et jusqu'à la fin du tour qu'il avait fait, le pied qui était grandement enflé était complètement désenflé. Les douleurs ont totalement disparu. Et depuis le temps qu'il est reparti à la maison, le Seigneur l'a totalement guéri jusqu'à présent. Et il tient à remercier le Seigneur sincèrement, celui qui a transformé sa vie par le ministère de l'homme de Dieu. Et s'il y a un serviteur de Dieu ici cette nuit, il voudrait nous exhorter que nous devrions venir dans le camp de prière ici avec un cœur sincère, un bon cœur. Et si tu es dans le camp ici avec un cœur sincère, un bon cœur, tu recevras au-delà de ce que tu penses. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mi voici pe de kada mi ba misiamina mo vi doji po nam. Acclamons le Seigneur pour notre oin. Nous m'envie Doji Paul. Amen. 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 Elle a même ma ouade le TPI. Amen. 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 Et ma blombena, ma mère, monsieur Amina Menye, vous avez pas de garder me quoi? Il s'est va repoudre, mais quelqu'un. Mais va blonna sur un peu. Quel est le n'aime ma chine ou doit ou n'aime pas tel le Praise the Lord. Vous avez blonna, Satan avait, et d'adjé. Edaje, Edaje, Edaje. Satana, Edaje. Edaje. Amen. Amen. Quoi 2023, sur un vague nombre, ah, midola, bovena, et yaya. Et yaya, te peux mi va. Ami, au séminaire, mi pa. Praise the Lord. Alléluia. Bébé, mia, bala. Yame, ou, tour à 21. Tour à kakakaka 21. Amen. So, Hallelujah. Mais normal. Amen. Et il y a des la maison qui va faire la bénédiction. Yeah. Bon, et mes cavaliers là, Toton et John Boubounega Joké. Amen. 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 Toton et Wabane, mes cavaliers, ma gadida, c'est où ya? Amen. Mauna Irao. Amen. 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 Alléluia. Le pasteur que voici remercie le Seigneur cette nuit. Il déclare qu'il fut un temps, il a constaté qu'il développait l'ulcère gastrique. Cette maladie qui l'avait vraiment mis mal à l'aise, au point où il n'arrivait plus à gêner en tant que serviteur de Dieu. Et cela avait des répercussions négatives sur son ministère. L'an dernier, son épouse l'avait conseillé de venir dans le camp de prière ici lors du séminaire passé. Il n'a pas refusé, il était venu. Il a suivi le programme jusqu'à la fin. Et le jour où il devait même quitter le camp, il a essayé de faire 21 tours du temple, demandant à Dieu que les ulcères quittent complètement sa vie. Et depuis le temps qu'il a quitté ce camp de prière, le mois de janvier passé, lorsqu'il est retourné à la maison, plus question des ulcères gastriques dans sa vie, le jeûne et prière qu'il n'arrivait plus à faire en tant que serviteur de Dieu, il a commencé par faire ses jeûnes et prières. Les ulcères ne sont plus jamais revenus. Et cette nuit, au regard de la guérison que le Seigneur lui a accordée, il tient vivement à le remercier afin de recevoir encore beaucoup de miracles lors de cette édition pour que la prochaine édition il puisse encore revenir partager de grands témoignages avec les serviteurs de Dieu. Acclame Jésus. Amen.
Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yesu ne yira mi le otoya. Amen. Amen. Mais jibe ma da pe ne mawo le otoya de mi atobu buto be agbeta. Ibe ha do lokata be agbeta. Mawo ve mi anu gbogbore. E pe yo va yila ye papa yo. Mawo ba mo mi ba atodi. E be le dom la. E be mawo ba mede le fia. Odo kune be wawi. Mawo jibe a zevoa. Obo wawi. Vo aya mo lo ko deliverance la. Nyamo le joasi pe a. Ebe au e poto amia ile segbe be poto amia e ma wu venu ye etukam e mi do a mi do apoma ko a ye be ko sire ma ko a papa de cho a jidogo ma sieye comme on va dadanyo bo le ko hebe e po fifi jen u gban wa no vi vogan vi evangeliste ale moji e vuba gben ta une ji nunu ve hele moji zande ko a e ku nyen to mo cho mo va do dadanyo bo o le fa vi la peme. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Wa me do ko be ah mawo tu comme le epove. Ebe ko sira me ko a. Mi pa le tochi. Mawo ne yira etonye pele enonye. Wo we ko mba tu eji mawo ne yiro gbogbore. Ei mi me cho me ga funu ko sira go tro me ko a. Gbogbo to na be maide zosi me me ka kamunya. Ei me yi ko a. Me glame gafona le blomaunya vutu pare le kaka ankora me le blomaunya amereke me lo konyo nyame vei me le kemelo ko maunyo kaka kwa uno be vio o le senti la gboji bo o so va gbonye be o pastor maune yirao be enye ke va ko ya me yina be yule senti be ke me va vivi jina be yule sanu be yume sananu zande kwa wato uno aku wano odogo me gafona ke me koya me gafona egbedo. Je me tourne voler, je me coco mégaphone, et je vais aller chercher pas. Mais je suis là, 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 je suis là. So va wame kaka so jova yova gba vojo wo you to see o le de dia prison be ah fika le po misisimale yen to mo ko na jiyen be na bo ve chateau yi ah hallelujah amen ala be po ve chateau yi ni mi lo ko a wa chapo pye na mi lo to ya o da chapo pye na mi la ya ni a to nyo mi gba me la. Amen. Ti yo da tele otoya cha 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 cha. Amen. Ama bayi nyon de ba pemle Accra ville e me do gain si gbe gari fenenia ye me ko tasilo e to nyo amo ko nyon na ko dale nu sapea de kale meni e Ghana be norto e binala gba mi ku de famille bu ka sa jaba do ye ma ufe mi anu me to gbe dura ji le fo mbe o. Nous n'avons pas de nous comme avant la pauvre, Garcia comme me le pauvre. Par me va y aller, nous n'avons pas. Quand le voit quoi, nous ne ca chité, ben il m'a gardé. Je me yom maman ben, à mien ya. Je me quand t'as mis trois jours. Quand ma bova, nous n'entend pas tagba. Je me jo, eh ben jo, pour le caïa, ni choqué mi gaba décembre. Nous n'ont à zéro toyo, ni à nos cœurs, net pemble akra. Eh oui, bien c'est bien. Mama, pas ce qu'on peut tout voir par ailleurs. Yé mien a bien sebe. Pas ce qu'on de nous hier, ndéa. Et puis, ce que ma bête est jola, que puis à gadoukea, à jouer le fiaï. Que mien a yola, quand ma mère me va tuer, je crois. Yého a doula siam, et souba mina, elle avait me va chatoame. Et moi, vaille. Madouna, ayane, anigba. Meloua, anigba, la mère bon. A me bia va quoi, kakami tribunal. Oko tepea ma uva bemianu ma va ko tepe fifi mea ma uva mianu bemi le tu bedura pea ni cho december alo nu va mkemu mia do december ye me gaba bia men veve ma uva nu nyebe o o penam le croisade me voir ni mto ni me va croisade bon foni mia to le gonya abi be croisade le tuyame ye be au kencha mo le va chateau me ya quoi ah croisade be amisi sialu la ba mcha amen.
yo va pem le pali me be dware me cho cha me ni e mi do dwa me a ma wo me nu be mi a we lo instrument cho yide dwa me ke mi do a mi de fiago e fi anton na be upo gale dwa me yem ke mi ya ma wo me nu be keke gba to la ma wo de son hun na me fe abla fo me fe o va dan yin le asoke yo o le sagbe en lui va joyin be o va to juji e la be ne papa le gbe don nakaka mo va dun aku nu ke jona yin be papa sona micronam le de fiame sogbo ye me va dun ku ti be aje micro ko sona mla melula sami sisi apo mi adu avali siam andre kasia mi anya kwa bla focha nuna ocha o to juji yo jo le tapepe mi ya amu godo yo anu ke a e fianto va le chinto bro ba kama chova nanyi be pasto bona tuyame obona maunya bobe pass of via toya e ya tovu to nyadila yesu kristo haleluya amen voici que la yesu kristo acclame jésus christ amen amen look at what jinema soroka yemi la pomme quoi ah jomatova ta pepe bena evangelise ale ma u ba wonti do le jomia yo jani ba memye ba du gbedura pele e tu amalo ye me va me va be ma da pe ne ma olo amen alleluia amen fi ya ne chateau re do ko chire chateau be vona afire iko na chai na chateau be alleluia be chateau yo fora janto la fi amen da fe a ti jo fe la fi no fora chateau ne na na tie ne no couper la chia vona alléluia voilà amie le fille me vona elle jiji elle gbare bia dome kaka bo bo ma de ko bi kura yehowa le ja si no yehowa le ja si no amen oh alléluia alors l'évangéliste que voici remercie le Seigneur cette nuit. Il déclare que lors du séminaire passé il était dans le camp de prière ici et l'homme de Dieu lors de l'intervention dans le ministère, il déclarait à un moment donné qu'il y a certains serviteurs de Dieu ici sur qui les méchants ont planifié la mort prématurée, que le Saint-Esprit les délivre. Les gens recevaient la délivrance, mais il est là à redisposer les chaises dans le temple. Quand l'homme de Dieu insistait que le concerné même n'a pas encore reçu la délivrance, qu'il est encore là, que le Saint-Esprit lui confirme clairement que la personne sur qui cette mort prématurée est prévue n'est pas encore délivré. Quand il a cessé de redisposer les chaises et le Saint-Esprit l'avait localisé, il a reçu la délivrance dans le camp ici. Et après le programme, lorsqu'il est retourné à la maison, il a dit que les jours suivants, il y a un vieux qui a quitté sa localité et est allé vers sa famille à la maison. Et il leur disait que c'est comme ça. Tout de suite en venant, il a remarqué que sur la voie, un véhicule avait tamponné leur jeune frère et l'a complètement écrasé sur le goudron. De se déplacer de la maison et d'aller racler son corps du goudron. La famille a commencé par pleurer à la maison quand quelques heures après, lui-même, il est apparu avec sa moto. Lorsque ses sœurs l'ont aperçu venir, elles avaient eu peur. Comme quoi, peut-être c'est un fantôme qui est en train de venir. Quand lui-même disait non, que ce n'est pas un fantôme, il n'est pas mort, ce qui montre que la mort spirituelle que les méchants avaient planifiée sur sa vie, à cause de la délivrance qu'il a reçue ici, cette mort n'a pas eu lieu. Au-delà de cela, il déclare qu'il avait aussi des difficultés dans le ministère. Entre-temps, on l'a invité au Ghana. Alors, arrivé là, il y avait une femme qui avait voulu la défier, mais à cause de l'onction qu'il a reçue dans le camp de prière ici, alors cette dame n'avait pas pu le défier. Lorsqu'il est revenu au pays, il était encore dans le camp ici quand la dame qui l'a appelé lui disait que la femme qu'il avait défiée lorsqu'elle l'avait invité au Ghana, cette dame demande s'il est encore revenu. Elle lui a répondu non. Et la dame disait que depuis qu'il est venu au Ghana, elle est manipulée, frappée par l'Esprit de Dieu. Et elle rassure que l'évangéliste a une puissance dans sa vie. Et lui, il est très fier parce que du fait qu'il est connecté à l'onction de l'homme de Dieu, il est toujours contaminé de cette onction. Très souvent, on l'invite pour des campagnes d'évangélisation qu'il n'a jamais dirigées.
Il fut un temps, il a été invité pour une campagne d'évangélisation dans une localité de Palimé. Il a été, lorsqu'il a été, quand il a commencé le ministère, alors il dit deux féticheurs étaient venus pour le contester. Il s'est rappelé que très souvent dans le rêve, l'homme de Dieu lui tendait le micro pour rendre un ministère. Il a dit que l'onction spirituelle qu'il a reçue de la part du serviteur de Dieu, qu'au travers de cette onction que le Seigneur combatte ces deux féticheurs. Par la prière, les deux féticheurs se sont enfouis. Et le lendemain, le chef de la localité et ses notables étaient aussi venus au lieu de la campagne d'évangélisation pour voir le petit sparseur que le Seigneur était en train d'utiliser puissamment. Ayant vu la façon dont le Seigneur l'avait utilisé, ils ont déclaré dans leur témoignage qu'ils viennent voir souvent les serviteurs de Dieu rendre ministère dans leur localité ici. Mais aucun ministère ne les a impartés comme celui-ci. Alors ils ont décidé de donner leur vie à Christ Jésus. Et depuis ce temps, et le chef du village et tous ses notables ont donné leur vie à Christ Jésus. Et cette nuit, il est revenu afin de témoigner et remercier le Seigneur, celui qui, par l'onction de l'homme de Dieu, a une impartation réelle dans son ministère. Acclame Jésus. Voici que Jésus Christ. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Ma wune yira amade. Que Dieu bénisse quelqu'un cette nuit. Oh, amen. Amen. Oh, yira. Vous êtes bénis. Nous allons aborder le moment le plus important du programme. Alors, nous voici à l'ouverture du séminaire des serviteurs de Dieu dans cette année 2024. Et je suis convaincu que Dieu a un message à notre endroit, un message par lequel il va nous édifier, nous exhorter et nous armer spirituellement. Et le thème tiré pour ce séminaire, c'est les serviteurs de Dieu et leurs problèmes. Amen. Si en tant que serviteur de Dieu, épouse d'un serviteur de Dieu, vous êtes venu dans le camp avec un problème, soyez rassuré que jusqu'à la fin du ministère de l'homme de Dieu, vos problèmes vous diront au revoir. Maintenant même, nous allons écouter la parole de Dieu et après cela prier. Et Dieu va utiliser son serviteur, celui qu'il a établi dans ce camp de prière, en la personne du serviteur Numovi Doji Paul. Pendant qu'il se lève, veuillez vous asseoir avant d'acclamer Jésus. Assoyez-vous avant d'acclamer Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. 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 Brillons, 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 que le monde voit. Brillons, 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 bien clairs, bien clairs, brillons, bien clairs. Alléluia, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Brillons, brillons, oh brillons, oh brillons, oh brillons, que le monde. Brillons, 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 oh brillons. Oh, brillons.
Alléluia, nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Si tu n'es pas béni, ne réponds pas Amen. Mais si tu es béni, réponds fortement Amen. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Dieu, notre Père, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu notre protecteur, Dieu d'amour. Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que tu aimes tes enfants et tu nous as réunis ici de par le monde entier. L'heure a sonné pour que tu parles. Et depuis la nuit des temps, c'est des personnes que tu utilises. Et tu nous as encore vus et tu voudrais bien nous utiliser. Pas parce que nous sommes bons. Mais à cause de ta grâce. Et parce que tu nous aimes et tu voudrais bien nous utiliser pour parler à ce peuple. Nous nous confions à toi. Nous voici au Père. Tel tu voudrais nous utiliser. Papa Zami. Père, utilise-nous ainsi. Et fais de nous ce que tu voudrais. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. Amen. Mais de coucou, Amen. Amen. Mais je rends grâce à Dieu ce soir. Afima yeji ne magblo maou nya vide mia dogbeda na gomejejea. Avant de prêcher brièvement et que nous puissions prier pour ce premier jour, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout le monde, à vous tous qui êtes ici dans ce temple, vous tous qui êtes venus des quatre coins du monde. Et nous marquons, Amen. Il y en a qui sont arrivés, mais qui n'ont pas encore gagné de logement. Je vous rassure que soyez patients, nous allons tous continuer ce programme et très bientôt, nous allons encore nous séparer les uns des autres. Je vais commencer comme ceci. Praise the Lord. Alléluia. Le Akpaya. Ici de ce côté. Afi Maïdia Miakpo Apenonye. Avant de continuer,
Je vais humblement vous présenter mon épouse, Madame Noumovi Amasidoni. Madame Noumovi Amasidoni. Alléluia. Amen. Amegedeo Jesse Amado me Jesse. Il y a plusieurs qui la connaissent, mais d'autres ne la connaissent pas. Elle est une jolie femme que l'Éternel m'a donnée. Alléluia. Amen. Aye, ne mi joli afima. Si nous la quittons, le tepetbatoya. Ici, ameve vigne de kaiwa. J'ai un proche, une personne chère à moi. Pastor Chako Jamari. Enye ancien secrétaire général de l'Assemblée de Dieu le Côte d'Ivoire. Eye kpembayi, eye kegba kpemle. Décembre yame, yemeyi. Aye mauba men veve wabe, okba kple yeba peno. Mama Chako kple, Pastor Chako, wachite miyakpao, miyadewe zotgari nao. Je vous présente humblement le révérend Pasteur Tiako Jean-Marie, il est l'ex-secrétaire général de l'Église des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, c'était lui qui m'avait invité et tout récemment, en décembre dernier, c'était encore lui qui m'a invité. Nous l'accueillons ce soir parmi nous avec son épouse. Tous ensemble, nous allons acclamer le Seigneur pour leur vie. Némissé, Bena, Mauba Medekpem, le Côte d'Ivoire, le décembre, il y a mes mévés au doigt et Yekpem. Alors si vous apprenez qu'en décembre dernier, j'étais en Côte d'Ivoire pour le ministère, je vous rappelle que c'est ce pasteur, le révérend pasteur Tiako, qui m'avait donc invité pour ce programme. Que Dieu bénisse ce couple. Amen. Ils sont trop bons. Amen. Amen. Juste à côté de lui, pasteur Junior. Nous avons le pasteur Junior. Bakle Mama Junior, aussi Brésil. Waoué Kpem le Brésil vaï. Yemba Wadol le Wagbo le Brésil. Le pasteur Junior et son épouse, entre-temps, c'est eux qui m'avaient invité au Brésil et j'ai rendu ministère chez eux. Né Mikpo Alomissé, le 2023, Yamebe Wadol le Brésil. Ame yo Kpem Yeme Ya. Waouji Mauto. Ole Miagbo. Le considère à mes caca, là où considère nous. Alors, si vous apprenez en 2023 que j'avais voyagé sur le Brésil, c'est ce par qui le Seigneur est passé pour m'inviter au Brésil et ils seront avec nous durant ce programme jusqu'à la fin de la semaine. Mais de coucou, il y a pas si peu dans Yesu doua bagbeka. Humblement, acclame très fort Amen. Jésus pour leur vie. Amen. Nemi trova fia, mi akpo. À côté d'eux. J'ai un ancien ami. Lors des 20 ans d'existence de ce camp de prière, la maman nous avait chanté ici. Pasteur Nicolas Paradiso. Je veux bien vous présenter le révérend pasteur Nicolas Paradiso et son épouse. Osso Italie. Qui nous sont venus de l'Italie. Il est là avec son épouse. Et vous pouvez acclamer plus fort Jésus pour leur vie. Ils sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Continuons toujours la ligne. Luigi Napolitano. Vous verrez l'apôtre Luigi Napolitano. Luigi Napolitano. Et par la grâce de Dieu, la dernière fois lorsque j'ai rendu ministère en Italie, le pasteur Luigi Napolitano, c'était eux qui ont présidé l'organisation. Amen. De ma sortie qui a lieu récemment en Italie. Apostolo Nuede, c'est un bon apôtre. Aye. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et toujours continuant la ligne. Miakbo Apostolo Ricardo. Nous avons l'apôtre Ricardo. Aye, aye.
Alléluia. Amen. Il y a un président à Bobo, mais tu as dit l'Italie. Il est le président des églises. Il est le président des églises charismatiques en Italie. Église évangélique. Les églises évangéliques. Bobo, mais tu as dit qu'il y a un conseil chrétien de Togo. Amen, il y a un président du conseil chrétien de Togo. Amen, il y a un conseil chrétien. Et je dirais qu'il est le président du conseil chrétien de l'Italie. Et lors de ma sortie la dernière fois, c'est lui qui a donné le feu vert pour cette organisation, et il a également assisté ceux qui ont organisé ce programme. Après mon ministère, à table, il voulait bien sûr me rencontrer. Et le président donc disait qu'il y a pratiquement un siècle, il y a pratiquement 100 ans, il y a pratiquement 100 ans, ils n'ont plus ressenti la manifestation de la puissance de Dieu telle qu'ils étaient en train de le voir au moment où je rendais ministère. Amen. C'est vrai que durant toutes ces années, les serviteurs de Dieu sont passés chez eux, ils ont prêché, mais la manifestation qu'ils ont vue lors de mon ministère, ils ne l'ont jamais vécu il y a pratiquement 100 ans. Et après le ministère, il me disait que franchement, le Seigneur m'a utilisé et j'ai rendu ministère comme les apôtres au temps de Jésus. Amen. Le pasteur Josué. Nous avons reçu une délégation de Cuba. Cuba qui est au milieu de nous. Le papa que vous voyez, il est pasteur en l'église baptiste. L'assemblée de Dieu. Et celui-ci, il est pasteur en l'église des assemblées de Dieu. Ils nous sont venus de Cuba. Depuis hier, ils sont arrivés chez nous. Pour ce séminaire, cette rencontre avec les serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur voudrait se manifester à travers le monde entier cette semaine. Alors si tu es enfant de Dieu quelque part, acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Yeah. Et juste à côté de lui, j'ai encore une personne très chère à moi. Si vous entendez souvent que j'ai voyagé sur Sénégal à chaque temps, celui qui m'invite la plupart des temps au Sénégal, président assemblée de Dieu le Sénégal Egbe, c'est lui l'actuel président de l'église des assemblées de Dieu du Sénégal. C'est le pasteur Félix Ndiaye qui est là avec son épouse. Alléluia. Amen. Le pasteur Ndiaye qui est là avec son épouse. Voilà. Acclame très fort le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ils sont des serviteurs de Dieu auxquels le Seigneur a fait grâce et ils ont décidé également de participer à ce programme avec nous. Il y a une... Le pasteur Félix Ndiaye est accompagné d'une délégation. Nous allons humblement prier cette délégation de se lever. Et il y a ces pasteurs qui l'ont accompagné. Et tous ceux qui nous sont venus également du Sénégal, nous allons humblement vous prier de vous lever. Amen. Amen. Il y a des mamans qui sont venues également du Sénégal acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alors, tous ceux qui nous sont venus de la France, humblement levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur pour votre vie. France. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus de la France. France. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus de la France. Amen. C'est des personnes chères à moi. Alléluia. Amen. Mais France, ceux qui nous sont venus de la France. Amen. Ceux qui, les serviteurs de Dieu qui nous sont venus également de la Suisse. Suisse. Okay. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus de la Suisse. 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 Alléluia. Amen. Amen. Germany. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus de l'Allemagne. Humblement levez-vous, nous allons voir s'il vous plaît. Germany. Allemagne. Allemagne. Mais que soit Allemagne. Ceux qui nous sont venus de l'Allemagne. Doni, Amedou Poto, les Ayameda ou Java Dizaya. Il y en a qui n'ont pas encore atterri. Le service d'accueil à l'aéroport est toujours en attente à l'aéroport. Ils vont encore accueillir les gens cette nuit pour les amener sur le site. America. Nous allons remonter un peu vers l'Amérique. Ah, mais de coucou Italie, toi, Amérique, tu vois des devants. Italie, toi, tiens, mi a tordo, Amérique, le wabe. Mi a de coucou, nous voici Italie. Il y a également quelques serviteurs de Dieu qui nous sont venus de l'Italie. Ah, je vous laisse découvrir. Ah, Italie, moi. Italie, le poisson, voilà. Voilà. Ok, mi a me passe en bébé de Kawa. Encore. Dans la foule, il y a les serviteurs de Dieu qui sont là, qui sont venus de l'Italie. C'est eux qui m'ont reçu la dernière fois en Italie. Remontons un peu vers l'Amérique. Ceux qui nous sont venus de l'Amérique. America. Amérique. 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 Le monsieur debout là-bas. Il y a un ancien président d'Amérique qui est pasteur au Qatar. Le serviteur de Dieu, le pasteur qui est debout, qui nous est venu de l'Amérique, il a été le président de tous les missionnaires et pasteurs togolais qui vivent en Amérique. L'ancien président. Voilà, et actuellement, il est le conseiller du comité qui travaille actuellement avec ses pasteurs et missionnaires togolais aux États-Unis. Et c'est à travers eux que j'ai été invité à plusieurs reprises en Amérique. Amen. Amen. N'importe quel pays de l'Europe, tous ceux qui nous sont venus de l'Europe, nous allons humblement vous prier de vous lever, nous allons vous découvrir. Europe. Europe, ceux qui nous sont venus de tous les pays confondus de l'Europe. Angleterre, tiens les méfalo. L'Angleterre y compris. Et la Bémiabé Fifia, Angleterre, toute l'Europe me voit, mia sa popou. Oui, malgré que l'Angleterre soit isolée de l'Europe, nous allons toujours les regrouper, les mettre ensemble. Ok. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire en dehors, des serviteurs de Dieu qui vous ont été présentés, levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur pour votre vie. À part
Papa Chakoa, Amedoso Côte d'Ivoire, Wachitemia pour Asipenao. En dehors de Papa Tiako, celui que nous venons de présenter, s'il y a encore des gens qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, nous allons acclamer le Seigneur pour votre vie. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Ok, Niger. Le Niger. Niger. Le Niger. Y a-t-il des serviteurs de Dieu qui sont venus du Niger parmi nous? Niger. Le Niger. Niger. Le Niger. Ok. Peut-être qu'ils sont en route. Voilà. Amen. Amen. Oh, mais amen. Amen. Mia Gakpo Benin. Benin to. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus du Bénin, s'il Bénin. Vous plaît, levez-vous. Bénin. Les serviteurs de Dieu qui sont venus du Bénin, les serviteurs de Dieu et leur épouse. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Alléluia, Bénin. Le Bénin. Amen. Amen. Ok. Assoyez-vous, bienvenue. Ghana. Remontons un peu au Ghana. Ghana. Les serviteurs de Dieu et leur épouse qui nous sont venus du Ghana. Levez vos mains, Ghana. Nous allons acclamer le Seigneur pour votre vie, le Ghana. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous sont venus du Ghana. Amen. Amen. Burkina. Le Burkina Faso. Burkina. Les serviteurs de Dieu qui nous sont venus du Burkina. Burkina. Le Burkina Faso. Gabon. Le Gabon. Les serviteurs de Dieu et leur épouse qui nous sont venus du Gabon. Ok. Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun. Ok. Tamnyowa, Miabangobe Amedeo. Peut-être nous allons oublier certaines personnes. Miakbodabe, Miatoyo, Kataso, Togobe, Région, Patamede. Tous ceux qui nous sont venus des quatre coins du Togo, levez-vous, nous allons vous découvrir et acclamer en même temps le Seigneur pour votre vie. Acclamez le Seigneur pour la vie des Togolais. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Yokata on a doklim. Jésus est la solution. Les missionnaires et pasteurs des annexes, Jésus est la solution qui sont ici avec moi et qui sont dans la foule. Humblement, levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur pour votre vie, y compris leur épouse également. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, s'il y a des gens dans la foule, qui nous sont venus de différents pays et que nous n'avons pas eu l'occasion de les présenter, qu'ils veuillent nous le signaler. Car et du récit de Ikeva, là va présenter Dokui, na missionnaire Ike la fille, pasteur Ike le accompagne dit la fille, ayez mia quoi drapeau, menye bewa quoi seyo, mia quoi balo, allez le wetrok pas d'une miva, ne mia de fille, mine nye be mi de bioso mia siya, waten quoi drapeau ou yiji mia nya, ame yova, el akpe de mia ntibe mi maga, akpe fusobo. Alors, nous avons acheté également des petits drapeaux qui sont avec le missionnaire. Nous avons acheté des petits drapeaux qui sont avec le missionnaire que je viens de vous présenter. Pour ceux qui sont venus de différents pays, à la fin, veuillez vous approcher du missionnaire que je viens de présenter. Et que chacun puisse entrer en possession de ces petits drapeaux-là. Et demain, lorsque nous allons commencer par citer les pays, que chacun puisse lever son petit drapeau signifiant qu'il vient d'un tel pays. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Mais Djibena, Amesia Mekeva, je voudrais que quiconque est présent ici, Miambe Gododoya, cette rencontre, Tadojuni Lemiasi,
L'objectif pour lequel nous nous rassemblons ici, ce sont trois pasteurs. Dans une ligue étaient venus me rencontrer. Et ils m'ont rencontré à la maison chez moi ici. Ils disent qu'ils sont en train de traverser des situations, qu'ils voudraient bien me rencontrer avec ces cas. Et quel est le problème qu'ils rencontrent? Ils disent qu'ils participent à des séminaires. Ils ont fait des écoles théologiques. Mais la difficulté qu'ils rencontrent, c'est que eux-mêmes, ils traversent des problèmes physiques et spirituels et ils ne savent à qui vouer leur sort afin que cette personne les soutienne dans la prière. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et pour cette raison, il voudrait bien que si je peux les aider et prier avec eux, intercéder en leur faveur, eux ou ceux qui sont les serviteurs de Dieu, ce serait pour eux un grand plaisir. Et à plusieurs reprises, ils ont demandé des temps. Ils ont demandé à ce que je leur donne un temps pour les rencontrer afin de prier avec eux. Et avant de donner mon feu vert, je leur ai posé la question à savoir si c'est uniquement avec les 63 serviteurs de Dieu que je vais prier ou ils veulent impliquer aussi d'autres serviteurs de Dieu. Et lorsqu'ils ont eu à parler ainsi avec moi, ils ont donné le feu vert et ils m'ont dit, nous pouvons le partager avec d'autres serviteurs de Dieu. Et s'il y en a également qui traversent des difficultés, qu'ils puissent venir et qu'on puisse prier ensemble avec eux. Et c'est là qu'est née cette rencontre avec les serviteurs de Dieu. Et humblement, lors de ces rencontres, nous ne faisons pas des enseignements théologiques. Mais nous-mêmes, nous rencontrons des problèmes. Et il nous faut prier pour que le Dieu Tout-Puissant nous donne la victoire. Alors, les années au cours desquelles nous avions débuté de telles rencontres, la plupart des pasteurs qui étaient malades avant de participer à cette rencontre ont recouvré totalement leur guérison. Les foyers conjugaux qui étaient secoués par l'ennemi à travers cette prière, Dieu leur a donné la victoire. Et ceux qui traversaient également des difficultés spirituelles, Dieu leur a donné la victoire. Et voilà encore quelques-uns des témoignages que nous venons d'entendre. Le pasteur dit qu'il souffrait de l'ulcère gastrique. Et cette maladie a fait que il ne pouvait plus observer des jeûnes et prières. Il n'avait rien que des brûlures, des infections dans tout son ventre. Il a tout fait pour sa guérison, mais il n'avait toujours pas la guérison. Mais après cette rencontre des serviteurs de Dieu, et lors de la rencontre de l'année dernière, janvier 2023,
Depuis janvier 2023 jusqu'en ce jour, il n'a plus récidivé. Le Seigneur l'a complètement guéri de sa maladie. Et durant ce programme aussi, amen. Dieu va encore guérir les gens. Ce midi, nous étions dans une rencontre. Et l'un des blancs qui sont venus de l'extérieur était là. Et l'un d'entre eux disait, le médecin l'avait fixé un rendez-vous pour le rencontrer. Cette semaine, bien sûr. Mais il a annulé le rendez-vous pour rencontrer son médecin. Amen. Mais il se disait en lui-même qu'il va venir à Kpove. Et il est sûr qu'à Kpove, il va recouvrer sa guérison. Et lorsqu'il va repartir et ils vont refaire les bilans de santé, on ne verra plus les traces de cette maladie-là dans son corps. Mais la pire est ce baigner. Alors si tu es quelque part et tu m'écoutes, jusqu'à la fin de ce programme, si tu es serviteur de Dieu, tu es épouse d'un serviteur de Dieu, et voici la question qui est posée. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut-il aussi rencontrer des difficultés? Un serviteur de Dieu peut-il aussi rencontrer des difficultés? L'épouse d'un serviteur de Dieu peut-elle aussi rencontrer des difficultés? La réponse est affirmative. Un homme de Dieu peut rencontrer des difficultés. L'épouse d'un homme de Dieu aussi peut rencontrer des difficultés. Mais à qui allons-nous confier nos difficultés, nos problèmes? Une seule personne est capable de donner solution à ces différents problèmes. Et c'est lui pour qui nous travaillons. Et nous-mêmes nous évangélisons, nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Je m'en vais te rassurer que jusqu'à ton départ de ce lieu, amen, amen, il va me guérir et il va aussi te guérir. S'il y a une maladie dans mon corps et si tu souffres d'une maladie, et nous sommes devenus esclaves de différentes maladies, et cela sera pour nous un obstacle, un scandale pour notre ministère. Jusqu'à la fin, Dieu va nous guérir. S'il y a quelqu'un qui rencontre des problèmes de terrain, il y en a qui viennent de rendre témoignage qu'on leur a renvoyé, chassé du lieu où ils étaient. Mais lorsqu'ils sont venus ici prier et ils sont repartis, ils ont trouvé encore d'autres terrains pour leur église. Il y en a qui rencontrent des difficultés financières. Il y en a qui rencontrent des persécutions spirituelles. Et d'autres encore rencontrent des difficultés dans leur foyer conjugal. Et certains, les enfants que Dieu leur a donnés, l'ennemi a saisi ces enfants-là. Et d'autres encore, bien qu'ils exercent le ministère, le problème qu'ils ont, c'est que ils ont connu la chute dans leur ministère. Mais cette année, je viens d'entonner une chanson. Nous sommes la lumière du monde. Qui dit Miawenye Hechiam Pekeke. Nous sommes la lumière du monde. Miawenye Hechiam Pekeke. Brillant, brillant. Bien clair. Brillant, bien clair. Brillant, bien clair. Brillant, bien clair. Que le monde.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Prenez place, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, c'est que cette année, ton ministère, c'est vrai qu'il y a longtemps, tu rends ministère. Mais cette année, amen, nous allons briller. Après ton départ de ce camp, ton ministère va changer, va prendre un nouvel élan. En matière de bonne santé, dans ton foyer conjugal, dans l'exercice de ton ministère, pendant que tu prêches, dans ta prédication, dans ton enseignement, dans ta façon de diriger la prière, 2024, l'année 2024, je dis, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Oh, nous sommes la lumière du monde. Oh, asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, la réponse est claire. L'homme de Dieu ou un serviteur de Dieu peut aussi rencontrer des difficultés. Il y a certaines de ces difficultés. En qualité de serviteur de Dieu, tu n'iras vers personne pour qu'il prie pour toi.
Tu peux simplement aller observer un jeûne et prière. Et Dieu va intervenir favorablement en apportant une solution, un changement. De même, il y a d'autres problèmes. Ensemble avec ton épouse, vous allez prier et Dieu va vous exaucer. De même, il y a encore certains problèmes. S'il te plaît, à chacun sa grâce. Bien que tu enseignes dans ton église, Dieu peut aussi t'utiliser. La grâce de quelqu'un d'autre peut te sauver face à certains problèmes, à certaines difficultés. Chaque problème ou chaque difficulté que quelqu'un a, que ce soit spirituellement ou encore physiquement, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de cette rencontre des serviteurs de Dieu, peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, Dieu te donnera la victoire. Mais quand je crois en Dieu, jadis il l'a fait et il va encore le faire maintenant même. Mais des coucou, amen. Dites amen. Alors, s'il y a quelque chose qui te couvre, qui te voile, amen. Dieu enlèvera ses voiles, Dieu enlèvera ses couvertures, Dieu enlèvera les obstacles de tout genre. Alléluia. Amen. Nous allons lire le premier passage dans Luca, dans l'évangile selon Luc. Luc, le chapitre 1. Évangile selon Luc, le chapitre 1. Et tagbanto. Oui, et ton. Luc chapitre 1, le verset 13. Luc le chapitre 1, le verset 13. Evelia Miaclin, Matthieu est à ton. Et au deuxième passage, nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 5. Oui, 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 et ne. Matthieu 5, le verset 14. Matthieu est à ton. Oui, 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 et ne. Miaclin, Luca est à banto. Oui, 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 et ton. Que dans la lag blonne, bena, megavon Zaharia, elle la bena, ou se, ou coucou de la. Aye na yo aye strong Elizabeth ajim chuvi now aye na yo epen kobe Johannes. Amen. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Luc le chapitre 1 le verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Matthieu est à Amaton. Oui, 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 né. Matthieu, le chapitre 5, le verset 14. Miawenye ikia me pe kekeri la dusile todila wo matem ale o. L'évangile selon Matthieu le chapitre 5 le verset 14 nous dit: vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Oh, amen. Amen. C'est donc le message que Jésus-Christ a livré aux apôtres. Jésus disait donc à ses disciples, vous êtes la lumière de ce monde. Et la ville située sur une montagne au matin à l'air ne peut être cachée. Amen. Amen. Hey, Mila Pia, lorsque nous sommes ici, si tout de suite on éteint toutes les lumières, toutes les ampoules dans ce temple, nous tous, nous serions dans l'obscurité et personne ne peut voir son prochain à côté de lui. S'il arrivait qu'il n'y a plus de lumière et que nous devrions retourner ou repartir chez nous dans l'obscurité, bien que nous soyons venus ici dans la joie, nous allons repartir avec lamentation, chagrin et douleur. Jésus a attribué ce nom très important à ses apôtres. Et il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Et vous êtes une ville située sur la montagne. Et la ville qui est située sur la montagne en aucun cas ne peut être cachée. D'autre part, si de façon générale, Dieu s'adresse ou Jésus s'adresse à tout le monde, mais de façon particulière, il s'adresse donc aux apôtres, aux envoyés. Permettez-moi de le dire. Apostolo L'apôtre ou apôtre en hébreu veut simplement dire un envoyé. Et nous sommes les envoyés. Et nous sommes donc envoyés. C'est de la même manière que Jésus avait envoyé les disciples, leur recommandant de prêcher l'évangile. Mais il leur a attribué un nom leur disant qu'ils sont la ville située sur la montagne. Et en aucun cas on ne pourra les cacher. Amen. Mais si Dieu voudrait t'utiliser et une puissance veut t'éteindre, une puissance veut te cacher, je voudrais te rassurer ce soir que tu es la ville située sur la montagne et tu vas encore briller. Aucun démon, aucune puissance ne peut te cacher. Si c'est une maladie, si c'est l'infécondité, si c'est le célibat, si c'est les épreuves spirituelles, qui voudrait que toi, tu ne puisses point briller dans ton travail, dans ton ministère. Le message que Jésus avait livré aux disciples, il dit, vous êtes la ville située sur la montagne. Et vous êtes en même temps la lumière de ce monde. Il continue en leur disant,
On ne peut pas allumer une lampe et le mettre sous le chandelier. On le met sur le chandelier afin qu'il puisse briller. Il est en train de leur parler premièrement de leur propre vie. Parce que les gens seront en train de les voir. En matière de bien. Alors si tu es quelque part et tu es un serviteur de Dieu, tu es la lumière donc dans la zone. Tu es une ville située sur la montagne. Tu dois savoir que tu constitues la lumière ou la lampe pour les autres. Parfois, nous-mêmes, nous méconnaissons notre propre importance. Nous-mêmes, nous méconnaissons notre valeur. Reconnais l'importance que tu as. Reconnais à nouveau l'importance ou la valeur que tu as. Premièrement pour Dieu. Secondo, quiconque entend parler de la lampe ou de la lumière se réjouit. Et tout cas, si on le vivait, mais. Les nations qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Jésus est en train de dire aux apôtres, parce que vous, vous êtes lumière, vous êtes lampe, c'est par vous que le peuple pourrait découvrir la lumière. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Lui-même aussi l'a dit. Et il disait aussi aux apôtres, vous aussi, vous êtes la lumière de ce monde. Quiconque m'écoute, reconnaissons l'importance pour le ministère à cause duquel nous sommes appelés. Le quartier dans lequel tu es, la nation, la ville dans laquelle tu es. Que tu sois riche ou pas, Jésus n'a pas dit vous, vous serez riche. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais Jésus, celui qui est en eux, la parole qui est en eux, ils sont devenus la lumière pour les autres. Et c'est nous que les gens doivent voir et par nous, ils vont sortir donc des ténèbres. Maintenant, toi qui constitues cette lumière, te voilà en face des difficultés, des défis. Chaque jour, tu es à l'hôpital pour des bilans de santé. Chaque fois, tu es à l'hôpital pour des bilans de santé. Chaque jour, tu ne fais que prendre des médicaments. Toujours, tu prends des médicaments. Ton église rencontre des difficultés. Tu as observé des jeûnes. Tu as prié. Mais le problème persiste toujours. Normalement, lorsque tu diriges une centaine de personnes, jusqu'à la fin de l'année, l'effectif doit augmenter à 150 voire 200 personnes dans l'église. Lorsque j'ai eu à travailler avec le révérend pasteur, le président Ndiaye, il faisait juste un seul culte avant de m'inviter. C'était une grande église à étage. Mais lorsque j'étais venu et j'ai rendu ministère, la façon dont les gens étaient venus à ce réveil-là, après mon départ, l'effectif a augmenté
et il a commencé par célébrer deux cultes dans son église. Amen. 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 C'était pour la première fois ça. La deuxième fois lorsque j'étais encore allé, Dieu m'a encore utilisé. Et après mon départ, l'effectif a encore augmenté et actuellement, ils célèbrent trois cultes dans leur église. Chaque dimanche, ils célèbrent trois cultes dans l'église. Et lorsque j'avais rendu ministère chez eux, oh, alléluia. Amen. Au premier jour, dans le programme, il a été prévu qu'on allait débuter le mardi. Mais lundi soir, à Mova de Tchotia, le lundi soir, l'église était remplie. Moi, je me reposais, on est venu me réveiller, que l'église est remplie, de venir prier avec eux. J'ai dit non. Mardi, on a le programme, on me voit, Kamiao 5 Yehova, et je vais m'avoir selon le programme, les activités vont commencer le mardi. Et ils m'ont dit non. Comme les gens ont appris que j'étais là et l'église est déjà remplie, il faut que je vienne prier avec eux quelques minutes avant de repartir me reposer. Et en ce premier jour-là, nous avons prié. Il y avait un diacre dans l'église. Sa fille, âgée de 22 ans, souffrait du sida. Deviado épée. Amadé yebeto achikenunu. Cette fillette, depuis 6 ans, avait commencé par prendre des antirétroviraux. Et c'est depuis cet âge-là qu'on lui a diagnostiqué le mal. Elle a ben noyé pas donné coup. Parce qu'elle a contracté le mal chez sa maman. Phrase terminale, Nayebeku. Et longtemps, elle a utilisé des médicaments. Finalement, le mal était compliqué et elle était à la phase terminale. Yemi dog bedale kekekmatoame. Et au premier jour en question, nous avons crié. Yenyonu via tova be ekpatoyo. La fille est sortie et elle témoignait. Elle témoignait publiquement qu'elle a reçu sa guérison. Oh, yemi le bien se bedé. On lui posait la question à savoir, comment sais-tu que tu es guéri du sida? Elle dit qu'elle s'est examinée et elle est convaincue que tout ce qu'elle avait comme malaise, les malaises ont disparu. Nous avions dit niet. Le mardi, nous avions demandé à ce qu'un membre de sa famille et un diacre retournent à l'hôpital avec elle pour le test et revenir donc avec le résultat. Ils sont allés faire le test auprès des médecins chez qui ils recevaient ou elle recevait des médicaments. Et les médecins disent que le résultat est négatif. Mais il ne peut pas tous lui donner une confirmation, un bulletin de confirmation. Elle est encore retournée dans un autre hôpital où le même test a lieu. Le résultat était toujours négatif. Écoutez, eux aussi n'ont pas accepté de donner un bulletin de confirmation. Ils sont allés dans un grand laboratoire à Dakar. Et c'est là, le même test a été encore fait. Et le laboratoire a donc confirmé avec un bulletin. Et on a donné les résultats à la fille que le résultat était négatif. Qu'il n'y avait plus les traces du sida dans son sang. Et la nouvelle s'est répandue dans le milieu. Et les musulmans,
Avec les voiles, c'est seulement les yeux que tu pouvais voir. Le vendredi soir, au vendredi soir, toute l'église était remplie, même les escaliers étaient occupés. Même les escaliers étaient occupés. Et tout le monde disait qu'ils savent que Dieu guérit, Dieu se manifeste. Mais cette fille-là, elle souffre il y a longtemps. Mais à travers Jésus, Jésus l'avait donc guéri du sida. Dans le lema, il que. Alors, cette guérison que plusieurs personnes ont appris par la guérison là, plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Cancer, les cancers disparaissaient. Le président Ndiaye avait pris la parole. Et le président disait que les maladies dont tout le monde a l'habitude de craindre, ces maladies-là ont entendu un nom et leur valeur avait donc disparu. Et le nom-là, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un ou un serviteur de Dieu qui m'écoute, c'est nous qui prêchons l'évangile aux gens et nous disons que Jésus est merveilleux. Mais il y a encore certaines choses dans ta vie. Et la Bible nous dit que tu es la lumière de ce monde et il y a quelque chose qui veut désactiver ton ministère. Et quels sont ces problèmes-là que tu rencontres? Mais ces difficultés et problèmes que tu rencontres vont finir et partir définitivement lors de ce programme. Maintenant, ils célèbrent 3 cultes les dimanches dans leur église. Je voudrais poser la question à savoir, toi, ton église, écoutez d'abord ce que je voudrais dire, s'il vous plaît. Mais toi, la difficulté que tu rencontres, c'est que si tu avais une centaine de fidèles dans l'église jusqu'à la fin de l'année, tu te retrouves à une quatre-vingtaine dans l'église. L'année qui va suivre, tu te retrouves à 60 fidèles. C'est ce que tu as dans ton église comme problème. Mais après cette rencontre, tu ne vas plus aller à reculons, non. Tu avanceras. Tu évolueras. Aidez-moi à dire amen. Lorsque nous avions rendu ministère avec le révérend Tiako, en Côte d'Ivoire, quelque chose a lieu. C'était un grand entrepreneur qui a reçu sa guérison. Ils avaient un plan pour bâtir un temple de 8000 places. Un soir, dit ça, tonu otoji yitepetepe o le mega le yogo de Africa be do me me po doyo e me dogbe da de tagbe magbe ya yesu yo do e un soir college bena 8000 places abe yede ka ya tu. Et l'entrepreneur dont je vous parle, il était malade, sérieusement malade. Il a sillonné plusieurs hôpitaux. Il est même allé se faire traiter à l'Occident. Ça n'a pas marché. Il a visité plusieurs serviteurs de Dieu. Ça n'a pas marché. Et lors de cette rencontre-là, il était venu. Le jour-là, je l'ai appelé. J'ai prié pour lui. Et à l'instant T, il a recouvré sa totale guérison. Et après la guérison, il disait que le temple de 8000 places qu'ils avaient en projet, que lui seul, il va bâtir ce temple-là. Et après cela,
L'église a connu une croissance en matière de chiffres. Et immédiatement, le pasteur et son comité ont changé d'idée de projet. Et la dernière fois, lorsqu'ils m'ont invité, ils ont revu leur projet et au lieu d'un temple de 8000 places, ils ont élargi le projet jusqu'à un temple de 24 000 places. Et la dernière fois, ils ont fait la pose de première pierre. 24 000 places. Pour un temple de 24 000 places. Homme de Dieu, nous n'allons pas rabaisser. On nous dit que nous sommes une ville située sur la montagne. Et on nous dit également que nous sommes la lumière du monde. Le quartier dans lequel nous sommes, la ville dans laquelle nous sommes, c'est nous qui devrons briller plus que toute autre personne. Alors, si cela n'avait pas lieu dans ta vie, à partir de ce soir, cela aura lieu dans votre vie. Ce soir, dis à ton prochain, cela s'accomplira ainsi dans ta vie. Dis à ton prochain, dis-le à ton prochain, cela va s'accomplir ainsi dans ta vie. Cela s'accomplira ainsi dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Assoyez-vous et suivez-moi, s'il vous plaît. Ce que nous avons lu dans le livre de Luc, l'un de nos aïeux aussi avait traversé des difficultés. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Alors, le problème que Zacharie avait rencontré dans sa vie, c'était qu'il était un souverain sacrificateur. C'est des personnes qui allaient sur l'autel une fois par an. Et de tels souverains sacrificateurs étaient rares. Mais quelque chose a lieu. Ce qui a lieu, c'est que il n'avait pas d'enfant, il était infécond. C'est eux qui faisaient des sacrifices, ils priaient et Dieu donnait solution aux gens. Zacharie priait. Oh Éternel, serais-je infécond à vie? On dit Zacharie et sa femme craignaient Dieu. La Bible nous dit qu'ils craignent Dieu. Mais aujourd'hui, si un pasteur a sa femme qui est inféconde, le pasteur en question est prêt pour renoncer à cette femme et faire d'enfants avec une autre femme. Et ou peut-être la femme du pasteur va commencer par dire, après les analyses à l'hôpital, on nous a dit que mon mari souffre de l'infécondité masculine, pour cela je ne pourrai plus rester avec lui. Cela se passe. Mais de coucou, elle est joie. Cela se passe ou pas? Elle est jonto. Cela se passe. Le pasteur qui divorce avec sa femme simplement parce que cette dernière est inféconde. Ou l'épouse du pasteur qui quitte son mari simplement parce qu'on lui a diagnostiqué une stérilité masculine. Les premières personnes, nos prédécesseurs, n'ont pas servi Dieu de cette manière. Ils ont servi Dieu dans la crainte de Dieu. Ils ont travaillé pour Dieu dans la sanctification.
Malheureusement, nous autres n'avons pas accepté servir Dieu dans la sanctification, mais pourtant nous disons que nous sommes prêts pour le ministère. Partout où tu m'écoutes, vous personnes chères à Dieu que Dieu est rassemblé ici, avant la prière, personne n'est saint. Mais travaillons pour Dieu dans la vérité, dans la sanctification, dans la fidélité. La Bible témoigne de ce couple que c'est un couple qui craint Dieu. Que Dieu nous donne la grâce afin que nous puissions le craindre. Répondez Amen. Que Dieu nous donne la grâce qui nous aidera à le craindre. Amen. Dites Amen. Et la prière qu'il a longtemps faite, Dieu l'a finalement exaucé. Il est allé encore à l'autel. Et Dieu a envoyé son ange. Le problème, la difficulté, le défi auquel ils faisaient face dans leur ministère, c'était l'infécondité que l'ennemi avait semée dans leur vie. Je l'ai dit, que le défi auquel fait face certaines personnes, c'est la maladie. Si toi-même tu n'es pas tombé malade, c'est peut-être ta femme ou tes enfants. De même, tu n'arrives pas à épargner de l'argent. Bien que tu sois au service de Dieu, tu traînes encore la misère dans ta vie. Bien-aimé, s'il vous plaît. Alors, un serviteur de Dieu n'est pas appelé pour devenir riche. Mais celui qui nous a recommandé cette mission, pendant que nous travaillons pour lui, il est prêt à nous bénir. Mais il y a des gens qui servent Dieu dans la vérité, mais les portes de bénédiction sont fermées contre vous. Jusqu'à la fin de ce réveil spirituel, après cette rencontre des serviteurs de Dieu, les portes de bénédiction vont s'ouvrir dans ta vie. Il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent. Pour rendre ministère pour ton service. Mais le problème que tu rencontres est un problème financier dans ton ministère. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire la dernière fois, et le pasteur Tiako me disait qu'ils ont élargi leur projet sur un temple de 24 000 places, il était venu avec le comité de construction afin que je puisse prier avec ce comité-là. J'ai prié avec le comité. Et le président du comité disait qu'ils ont un défi à relever. Que durant l'année 2024, jusqu'à ce que je ne revienne chez eux, ils disent, je dois voir un signe à mon retour. Que je dois voir un signe comme quoi ils ont entamé le chantier. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de la bénédiction pour servir Dieu. Vous êtes seulement sur un seul lot de terrain. Et on est en train de vous chasser de ce terrain-là. C'est peut-être un demi-loco que vous occupez. Mais on est en train de vous renvoyer de ce terrain-là. Mais le terrain appartient à Dieu. Et ses enfants sont renvoyés sur le terrain. Après cette rencontre, solution les gars. Amen. Tu auras la solution à ton problème.
Vous qui avez besoin de l'argent pour organiser des campagnes d'évangélisation, Dieu va vous bénir. Il y en a qui sont en train de rendre le ministère avec 0% de grâce. Il n'y a aucune onction qui se manifeste. Après cette rencontre, Dieu te donnera une nouvelle onction. Amen. L'onction qui va t'amener quelque part où tu n'es jamais allé, l'onction qui va t'amener quelque part où personne n'est jamais allé, Dieu te donnera cette onction. Amen. 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 Pendant que je parle, que cela s'accomplisse dans ta vie. Je dis que cela s'accomplisse dans ta vie. L'onction qui sauve les âmes. Et tu vas sauver l'âme des autorités. Alors tu vas sauver les âmes que Satan a assujetties. Dans votre village. Dans votre pays. Dans votre région. À l'Occident, là où tu es. Les gens ont l'habitude de dire qu'il est rare de voir un blanc se convertir. Mais par la grâce, si moi je vais à l'Occident ou à l'Orient, je ne parle pas gros anglais, ce n'est pas gros français que je parle, mais à cause de l'onction, les blancs se convertissent. Les blancs donnent leur vie à Jésus. Cette onction, qu'elle vienne sur nous tous. Je dis qu'elle vienne sur nous tous. Qu'elle vienne sur nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'onction du salut des âmes. Adjihamewadeji donnera une croissance à ton église. Que l'Éternel m'en donne, qu'il t'en donne. Assoyez-vous, s'il vous plaît. L'heure a sonné. 2024, l'année 2024. Amen. Nos ministères vont briller. Ma prière est que les blancs qui nous sont venus de l'Italie, les blancs qui sont venus du Brésil, les blancs qui sont venus de différents continents, de différents pays, ceux qui nous sont venus du Cuba, lorsque vous allez repartir dans vos pays après cette rencontre, amen, Dieu va commencer par vous utiliser. Et la bena, car c'est nous qui sommes la lumière du monde. Alors, si Dieu avait l'habitude de vous utiliser, amen, ma prière est qu'il vous utilise davantage. Que l'Éternel des armées vous utilise plus qu'auparavant. Zacharia. Zacharie, il a craint Dieu. Il priait. L'ange de Dieu était venu chez lui sur l'autel. Zacharie, ne crains pas. Dieu a exaucé tes prières. Cette semaine, serviteurs de Dieu que nous sommes, nous sommes en train de demander certaines choses à Dieu. Et ces choses ne s'accomplissent toujours pas dans nos vies. Que ce soit la bonne santé, que ce soit les enfants, que ce soit nos foyers conjugaux, que ce soit les difficultés, les problèmes de nos enfants, que ce soit les difficultés dans notre ministère, amen. Si Dieu
a pu résoudre le problème de Zacharie, le souverain sacrificateur, laisse-moi te rassurer que Dieu se souviendra aussi de toi. Bible abeille Zacharie. Zacharie, ta femme Elisabeth tombera enceinte. Elle donnera naissance à un fils qui sera appelé Jean. Écoutez, Zacharie a commencé par douter. Il a commencé par dire, comment cela pourrait-il s'accomplir? À l'ange de Dieu de dire, l'année prochaine, à pareil moment, aussi. Ta femme aura d'enfants. C'est ce qui se passe de nos jours. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne croient plus au miracle de Dieu. Parfois, c'est faux. Parfois, nous supposons que c'est Dieu même qui a voulu que nous soyons ainsi. Nous allons simplement prier pour les autres pour qu'ils aient solution à leurs problèmes. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, par la prière, nous aussi nous obtiendrons solution à nos différents problèmes. Alors, nous avons l'habitude de dire, si cela plaît Dieu, pour que je sois dans cet état et que je continue toujours par travailler pour lui ainsi, ah, je vais toujours continuer par le faire. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu s'est souvenu de Zacharie et sa femme. Il s'est souvenu de par la prière ou par leur prière. Et la Bible nous dit que ce couple-là, c'est-à-dire les deux, lorsque l'homme est revenu, il ne pouvait plus parler. L'ange de Dieu a dit qu'il sera privé de parole jusqu'au jour où naîtra l'enfant promis. À cause de son incrédulité. Un pasteur l'a dit aujourd'hui. Il dit qu'il a l'habitude de dire, s'il dit que Dieu guérisse et qu'il ne guérissait pas, est-ce que ce ne serait pas pour lui une honte? Alors, les malades seront là-bas. Si tu dis au nom de Jésus, reçois la guérison. Si quelqu'un reçoit la guérison, Dieu merci parce que ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce moi qui guéris? Non! Ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Si tu repars, toi aussi tu iras dire au nom de Jésus que ta foi te rassure que cette maladie la parte. Si la personne a reçu sa guérison, Dieu merci. Si tel n'est pas le cas, tu vas encore repartir parce que ce n'est pas toi qui guéris. Mais Dieu, voulant bien se manifester pour qu'on reconnaisse qu'il est le vrai Dieu, dans la foi, toi tu vas commencer par voir certains miracles. Et tu te poseras la question à savoir, c'est moi aussi que Dieu a commencé par utiliser ainsi? Ah oui, Dieu le fait ainsi aussi. Après cette rencontre avec les serviteurs de Dieu, tu avais l'habitude d'enseigner. Tu avais l'habitude de diriger la prière. Tu avais l'habitude de prêcher l'évangile. Mais il y aura une différence après ton départ de ce lieu. Amen. Amen. Bientôt, nous allons rentrer dans la prière. Quel type ou quelle sorte de prière?
Quel type de prière n'as-tu pas eu à faire pour la solution? Zacharie aussi longtemps avait prié. Il avait prié pour une seule requête de prière. Et durant plusieurs années, tu as présenté plusieurs requêtes à Dieu. Mais cette semaine, amen, tu auras solution à tes différents problèmes. Et lors de cette rencontre, je continue par dire que tu prieras. Tout ce qui avait l'habitude de te voiler, de te couvrir, Dieu enlèvera pour toujours les voiles. Et durant ton ministère cette année, tu vas te rendre compte que le résultat que tu n'as jamais obtenu depuis que tu as commencé le ministère, c'est le double de ce résultat-là que tu verras cette année. Mais les premières personnes, nos prédécesseurs qui ont marché avec Dieu, à l'instar de Zacharie, les gens comme Zacharie et sa femme, la Bible nous dit qu'ils craignaient Dieu. Et je continue par le rappeler que personne n'est saint. Mais toi-même, décide de faire une décision personnelle de marcher avec Dieu. Un prédicateur vient de témoigner qu'il a rendu ministère durant plusieurs années, mais ne l'a pas fait dans la sanctification. Mais après avoir écouté mes enseignements au sujet de la sanctification, il a décidé aussi de se repentir. Quelle que soit la façon dont Dieu nous utilise, menons une vie de sanctification. Amen. Peuple précieux de Dieu. La maladie que certaines personnes traînent, c'est ça que je viens de citer, et ils doivent prier contre cela. Parce que chaque jour, tu as toujours cette chute-là. L'esprit te pousse. Et tu traînes toujours la chute dans ta vie. Comment se fait-il que toi, un serviteur de Dieu, ne vas-tu pas mener une vie de sanctification pour Dieu? Bien-aimés, nous allons prier. Je voudrais te le rappeler que nous ne sommes pas des personnes déshonorées. Les premières personnes que Jésus avait envoyées, le nom qu'il leur a donné, c'est que vous êtes la lumière de ce monde. Au second point, oh, alléluia. Amen. Il a encore dit, vous êtes la ville située sur la montagne. Et sur quoi? Et chaque jour, on apprend que tu es tombé malade. Chaque jour, on apprend que tu es tombé malade. Quelle est cette maladie-là? Cette maladie-là va partir cette nuit. Toutes les maladies confondues vont partir. Alors, si tu ne vas pas te fâcher contre moi, lève-toi, s'il te plaît. Et que chacun dise, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. Et la parole nous dit que nous sommes la lumière de ce monde. La parole nous dit que nous sommes la ville située sur la montagne. Ce qui révèle que nous sommes devenus la référence des villes. Mais
Seigneur, regarde ma vie. Mamba meimenya mele tonume. Serviteur, serviteur de Dieu que je suis, je traverse encore des difficultés. Ne et de Zacharia Toda. Si tu as pu enlever la difficulté de Zacharie, ye esra fofu divia. Et sa femme est tombée enceinte, elle a donné naissance à un enfant. Ne doto Zacharia wetre ele ya doto nya. Si tu as exaucé Zacharie, ce soir tu dois aussi m'exaucer. Mes problèmes doivent partir maintenant même. Maintenant même. Tout ce qui constitue un fardeau dans ce ministère. Nous allons prier maintenant avec autorité et dynamisme. Est-ce ton foyer conjugal? Dieu est prêt. Dans les layers. Est-ce la maladie? Et vieux au bac barrière. Est-ce le problème de tes enfants? A bon sang battu tes vieux ontiers. Le diable s'est levé contre tes enfants. Et ça, à même mabou. Et tout ce que tu as dit au mamba, mais à mes vieux mères. Il a introduit la désobéissance et l'impolitesse en tes enfants. Et son, il est le doigt ontoya. Peut-être ton mari qui est malade ou ta femme. Ta situation financière dans l'église. Dieu est prêt pour le faire maintenant même. Priez maintenant. Que tout le monde explique son problème à Dieu. Tes problèmes, l'Éternel est prêt. Il est prêt pour apporter un changement. Il est prêt pour guérir. Il est prêt pour délivrer. Il est prêt pour libérer. Machata Braya. Karabazenda. Bondo Brokoto Braya. Kobaranda Bazenda. Machekete Kebraya. Brokoto Bazenda. Masuba Babara Baba. Renda Rakata Rababara. Machata Bakata. Kobaranda Rababara. Masuri Anderebe. Brokoto Balenda Babara. Brokoto Robo Shabraya. Brokoto Robo Shabraya. Masara Baba. Que l'Esprit de Dieu change ton histoire. Que l'Esprit de Dieu transforme ton histoire. Dis à l'Éternel cette année, je veux travailler pour toi plus que les années antérieures. Mais l'esprit qui ne veut pas que j'aie la bonne santé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Enye doyola. Qui est le docteur? Mandorobo Shabraka. Barakatarabasane. Masoroboboroboboro. Lobabarabasena. Masatabrakataka. Lobrakatambasena. Rababababababa. Rokotombasena. Makoroboboboboboro. Makabarabasena. Machetebraketekebra. Iriakabababarabasena. Masurababababa. Londoboboboroboboro. Sherebababa. Paranda babaraba zenda baya. Kabrayaka. Bakoro bayanda lebra katayaka. Parandere babos kabara bayanda. Lobro koto balenda babara baya. Bakoto balenda babara bayaka. Lobro koto robo zende beberebe. Iria katamba zo kabara baya. Lebra koto mbazeri andaya. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Jésus ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. Jamais déçu un jour. Depuis
je suis dans la main du Seigneur de Dieu. Jésus ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu ainsi un jour. Alléluia. Nous allons encore prier, premièrement, nous allons prier pour la bonne santé. Parce que nous sommes tous des humains. Et l'on peut tomber malade. Mais être quotidiennement malade, peut-être ton mari, ta femme ou tes enfants, ou tu connais des maladies dont tu en es esclave, dis au Seigneur, toute catégorie de maladies qui se trouve actuellement dans mon corps et qui m'empêcherait d'avoir la bonne santé et travailler pour toi, Seigneur. Que ces maladies plient bagage maintenant. Dans ton propre corps. Tu voudrais travailler pour Dieu. Que tu veux donc travailler pour lui. Tu vas travailler pour lui. Les années à venir, tu vas encore continuer le ministère. Mais il te faut la bonne santé. Que Dieu te donne la bonne santé. Toi-même, tes situations de maladie. Que Jésus te guérisse. Recevez la guérison maintenant. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu guérisse. Qu'il guérisse. Que Dieu guérisse. Priez maintenant. Priez maintenant, s'il vous plaît. Il me faut ma bonne santé. Mais il me faut la bonne santé. Que l'Éternel me guérisse. Que Jésus me guérisse. Et que les maladies partent dans nos corps. Il y a du ministère qui nous attend. Il y a du ministère qui nous attend. Et Dieu doit nous donner la bonne santé. Toi-même, ta femme et tes enfants, priez maintenant, priez maintenant. Demande la bonne santé pour toi-même, ton épouse et tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à dire amen. 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 Voici encore l'un des problèmes. Nous travaillons pour Dieu. Nous
Il y en a qui travaillent pour Dieu, mais leurs âmes sont fortement persécutées. Ils font rien que des cauchemars, des rêves bizarres chaque jour. C'est ces rêves qu'ils font. Une fois que tu te couches la nuit, toi, en tant que serviteur de Dieu, dans tes rêves, tu ne vois pas le ciel, tu ne vois pas des révélations au sujet de la vie éternelle. Mais tu fais toujours des cauchemars, des rêves bizarres. Je voudrais qu'on prie maintenant. S'il y a un esprit qui te persécute, du côté paternel ou maternel, qui persécute ton foyer conjugal, qui persécute la vie de tes enfants, qui persécute peut-être ton ministère, que la puissance de Dieu conteste ces démons. Priez maintenant. Tout genre d'esprit qui sont les puissances ténébreuses, qu'ils ne veulent pas que tu jouisses du ministère, que l'esprit de Dieu les conteste, que le Saint-Esprit les conteste. Nous sommes des siades. Toute puissance est confondue. La puissance de Dieu les disperse maintenant. Les esprits impurs de tout genre. Les esprits impurs de tout genre. Les esprits impurs de tout genre. Et au titre des foyers, qui se lèvent contre ton foyer. Qui se lève contre tes enfants. Qui se lève contre ton mari ou ta femme. Et qui se lève contre ton ministère. L'Esprit de Dieu les disperse maintenant. Oh, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Maintenant même. Qui se lève contre notre ministère, spirituellement comme physiquement. Et nous faisons des cauchemars. Que l'Éternel les combatte. Les esprits qui persécutent nos enfants. Les esprits qui persécutent nos partenaires de vie. Les démons qui persécutent nos foyers. Le Saint-Esprit les conteste. Maintenant même. Be so good, yeah. Be so good, yeah.
Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Midotom, écoutez-moi s'il vous plaît. Bien sûr, tu as accepté travailler pour Dieu. Mais ton église rencontre des problèmes de terrain et des problèmes financiers. Mais il est dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Le propriétaire de tous les titres fonciers à travers le monde entier, son nom est l'Éternel Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la terre, toute la terre. Et toi, tu es son fils. L'or de cette rencontre des serviteurs de Dieu cette année, Dieu doit donner solution à tes problèmes financiers et tes problèmes de terrain que tu traînes avant de venir. Il prend là où il n'a pas déposé. Et il moissonne là où il n'a pas semé. Dans la prière maintenant même. Tes problèmes de terrain et tes problèmes financiers que tu rencontres dans ton église, que Dieu y intervienne maintenant. Priez maintenant, s'il vous plaît, priez. Priez maintenant. Tes problèmes financiers dans ta propre vie ou encore dans ton église. Les problèmes de terrain pour ton église. Prie maintenant. Dieu est prêt pour donner solution à ces différents problèmes. Dieu est prêt pour donner solution à ces différents problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. Unissons-nous maintenant dans cette prière. Et nous allons prier maintenant pour nos différents pays de provenance. Et nous allons dire à Dieu qu'il a promis que nous sommes la lumière de ce monde. Les ténèbres qui couvrent toutes les nations confondues. Après notre départ de ce lieu, que Dieu nous utilise afin que notre lumière brille. Le quartier dans lequel tu es, la ville dans laquelle tu es, le pays dans lequel tu es, que les ténèbres plient bagage que les ténèbres partent, que les ténèbres disparaissent. Les ténèbres de tout genre. Que Dieu enlève les ténèbres. Tout genre de ténèbres. Qui couvrent la nation, ta nation de provenance. Le pays ou la
ville dans laquelle tu rends ministère. Village Jiménele. Le village dans lequel tu exerces. Que Dieu fasse de toi une lumière dans cette zone. Et que des milliers de personnes quittent les ténèbres pour la lumière. Mais donc, la ville. Priez maintenant. Donc, la ville. Priez maintenant. Ma chabra kataka. Corobochana. Jésus Christ open comme. Au nom de Jésus Christ. Mikbedente miagbla. Amen. Aidez-moi à dire amen. Azomiaga biangu chifafa. À présent, nous allons encore demander la paix. Parce que Ésaïe, le chapitre 9, nous dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et ce Jésus, c'est lui que nous avons en nous. Pour cela, nous allons donc prier afin que toutes les nations aient la paix à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir prié pour nos différents pays de provenance, nous allons ensemble prier pour le pays qui nous accueille. Parce que s'il n'y avait pas la paix dans ce pays, nous ne pourrions pas atterrir à l'aéroport et venir dans ce camp. Priez maintenant pour vos différents pays et demandez-leur la paix. Demandez la paix. Que la paix règne dans vos pays de provenance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Disons amen. Nous allons humblement prier pour le Togo. Et nous allons demander la paix pour notre cher pays, le Togo. Pour cela, vous allez tous m'aider. Nous allons lever nos voix et dire Éternel. Nous demandons la paix à ce pays. L'esprit qui est là et qui veut boire du sang. Les esprits de tout genre. Que Dieu nous donne la victoire. Et que Dieu entraîne la paix dans ce pays. Priez maintenant. Priez et demandez la paix divine. Je demande la paix à ce pays. Que l'Esprit de Dieu donne la paix à ce pays. Au nom de Jésus, Père. L'héritage de la paix en abondance. Donne-nous cette paix dans ce pays. Si même tu nous avais donné la paix, donne-nous encore la paix. Et que ta grâce le fasse. Ce n'est pas de l'intelligence de quelqu'un pour qu'il s'en vante. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce cas n'est pas une requête que je suis en train de donner, mais c'est un message audible que je reçois. Je reçois un message audible qui me dit qu'il y a certains qui sont sérieusement enviés. Toi et ta femme, vous êtes tellement enviés. Et c'est à cause de l'envie que tu rencontres tellement de difficultés dans ton ministère. Nous allons prier contre. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Nous allons prier pour deux requêtes. Premièrement, que Dieu brise l'esprit d'envie qui te persécute. L'esprit d'envie. Même tes collègues de service, tes collègues dans le ministère t'envient.
Et toi et ta femme, vous êtes persécutés par envie depuis vos familles, vos différentes familles. Ah, même ton église, les membres de ton église, tes fidèles t'envient. Simplement parce que tu es persécuté par l'esprit d'envie. Que Dieu écrase d'abord l'esprit d'envie. C'est un message audible que j'ai reçu. L'esprit d'envie. L'esprit d'envie. Esprit d'envie. Qui persécute un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, sa femme et ses enfants. Que Dieu donne victoire à ce serviteur de Dieu. Esprit d'envie. Que Dieu te donne la victoire. Esprit d'envie. Que Dieu te donne la victoire. Tu es persécuté par envie. Tu es persécuté par envie. Que Dieu te donne la victoire. Maintenant même. Que le Saint-Esprit te donne la victoire. Que le Saint-Esprit te donne la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Placez les mains là où vous avez mal. Nous sommes ici entre nous, serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous avions exigé à ce que les serviteurs de Dieu qui vont venir viennent avec des justificatifs qui prouvent qu'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu. Qu'ils sont serviteur de Dieu ou épouse d'un serviteur de Dieu. Pour cela, nous sommes ici entre nous. Mais c'est d'abord nous que Dieu voudrait délivrer, c'est nous qu'il voudrait bien guérir. Et après ton départ de ce lieu, tu seras en bonne santé. La foi que Zacharie n'avait pas, parce qu'il avait longtemps prié au point où il avait perdu espoir. Je ne voudrais pas que toi aussi tu perdes espoir. Est la foi que, lors de cette rencontre, cette maladie, dont on t'a interdit ou on t'a prescrit des interdits te disant ne mange pas ceci, ne mange pas cela, maintenant même dans la prière, Jésus-Christ va te guérir. Le Jésus-Christ open coming. Au nom de Jésus-Christ. La sinusite. Yes, your domana. Jésus te guérit de cette maladie. Cancer se soumet. Le cancer de cerveau. Yes, your domana. Jésus te guérit de cette maladie. Nane mio de tagome. Une tumeur dans ton crâne. Yes, your dom. Jésus te guérit de cette maladie. Et jite tebe dom. Le grand cœur. Yes, your don. Jésus te guérit de cette maladie. Wojimepu. Ta colonne vertébrale. Megate nona te jijire gbona maunya. Tu ne peux plus te tenir debout correctement pour prêcher l'évangile. Yes, your don maintenant. Jésus te guérit de cette maladie. Et toi,
peut-être ton oreille. Yes, yodomana. Jésus te guérit de ses douleurs. Les mots Dieu que tu traînes. Yes, yodom. Jésus te guérit de ses maladies. Et tu t'étais. Le gros cœur. Yes, yodom. Jésus te guérit de cette maladie. Podome. Les mots dans ton ventre. Yes, yodom. Jésus te guérit de ces maladies. Impuissance masculine. Yes, yodom. Jésus te guérit de cette maladie. Et chibegble. La stérilité masculine. Yes, yodom now. Jésus te guérit de cette maladie. Isseropodome. Les ustères gastriques. Yes, yodom now. Jésus te guérit de cette maladie. Tes maux de hanche. L'hémiplégie. La paraplégie. Yes, yodom now. Jésus te guérit de cette maladie. Et kaome bedon. Maladie dans tes nerfs et veines. Et putome. Maladie dans tes os. Et laome. Maladie dans tes muscles. Et vuome. Maladie dans ton sang. Yes, yodoma. Jésus te guérit de toutes ces maladies. Prostate. Les troubles prostatiques. Et donna di docteur vous. Tu pisses avec des traces de sang. Fibrome lentio. Tu souffres des fibromes. Qui sait? Des kystes. Yes, yodoma now. Jésus te guérit maintenant de ces maladies. Akulolo lentio. Tu souffres de l'hernie. Ye wonto enofukpem. Et toi-même tu en souffres. Fifila, yes, yodoma now. Maintenant même Jésus te guérit de cette maladie. Je prie maintenant. Hodoyoyo. Reçois ta guérison. 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 Adjibodo. L'épilepsie. Yes, yodo. Jésus te guérit de cette maladie. Écoule anome. Boule dans tes seins. Yes, yodo. Jésus te guérit de cette maladie. Podome. Dans ton ventre. Anome. Ton bas-ventre. Coco. L'hémorroïde. Yes, yodoma now. Jésus te guérit de cette maladie. Miame yome le divio. Vous qui êtes inféconds. Maunena mi vile gododo yame. Après cette rencontre que Dieu vous donne d'enfants. Melekbe dodade miata. Je prie maintenant pour vous. La médecin. La bonne santé. Maune tchotcho kemile wetroya. Que Dieu nous donne gratuitement la bonne santé ce soir. Recevez la guérison. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute maladie confondue. Les hépatites, diabète, le diabète, sida, le sida, tension, la tension artérielle. Yes, yodoma nami. Jésus vous guérit de toutes ces maladies. Cholestérol bedo. Le taux de cholestérol élevé dans ton sang. Kaome. Maladie dans tes nerfs et veines. Masi, asthme bedo. La drépanocytose. Kaome. L'asthme. Et maladie dans tes os, dans tes nerfs. Yes, dans tes yodoma muscles. Nami. Jésus vous guérit de toutes ces maladies. Je prie maintenant pour toi. Jusqu'à la fin de cette rencontre. Tes dons et talents qui ont disparu. Le ciel te les ramène. Et jusqu'à la fin de ce programme, que tes dons et talents te reviennent. Le yes, open coming. Dans le nom de Jésus. Je prie cette nuit. Et je demande la paix au monde entier.
Papa, mets-toi au katane dare du konu dasiome. Père, toutes ces personnes que tu as placées à la tête des nations, je veux dire, c'est parce que tu les aimes que tu les as placées à la tête des nations à travers le monde entier pour qu'ils les dirigent. Nous te confions également tous les ministres d'État, tous les députés, tous les préfets, les maires, tous les soldats confondus, tous les rois et chefs traditionnels. Nous prions maintenant pour eux, éternel Dieu, les gouverneurs, les ambassadeurs, les préfets, les maires. Nous prions maintenant les consuls, les juges, les avocats, les huissiers, les notaires, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour toi dans la vérité à travers le monde entier. Tu les connais. Veille sur eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants, jusqu'à la fin de cette rencontre. Tous ceux qui sont venus avec des raisons de maladie, nous devrions être en bonne santé pour te servir au Seigneur. Jésus, guéris toutes personnes confondues. Cette nuit, lorsque nous allons nous coucher, que les anges des cieux viennent nous visiter, qu'ils viennent nous garder, et que nous ayons de nouvelles révélations. Je demande cette grâce à tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Assoyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes donc à la toute première nuit. Nous allons continuer demain matin de 9h à 13h. Le soir également, nous allons continuer de 18h à 22h. Le vendredi de même. Le vendredi soir, nous clôturons tôt, nous ne prolongeons plus jusqu'à 22h. Pour cela, une fois encore à travers Jésus, je vous souhaite les bienvenus. Parce que c'est lors de la prédication que nous avions constaté l'arrivée de certaines personnes. Il y en a encore qui sont en cours de route. Après la présentation des personnes ou des étrangers que nous avons reçus, nous avions remarqué encore l'arrivée de certaines personnes. Mi de kukube range gban toya pe range veria mi le suena ameyonye president association president de l'église wa wa wakpo monu le nkogbe gban toya me mi nyebe mi kata mauba me minyi vogake la menu veveya mea mia so lonlon aye mia de lonlon kle do kibo baba fobe ni o menye president association o menye president na church yoa Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore gagné là où ils vont déposer peut-être leur effet et se reposer, à la fin du programme, dirigez-vous au secrétariat ou encore au niveau de la baraque et ils vont donc vous assister. Et nous rappelons également que ce côté, les deux premières rangées, nous privilégions donc les présidents des dénominations ou les présidents des différentes ligues, des pasteurs des différentes villes qui sont arrivés. Nous les privilégions et c'est eux qui vont occuper
occuper les deux premières rangées de devant. Alors, demain matin, veuillez à ce que cela soit corrigé pour que ceux-là qui sont les fondateurs d'église, les présidents d'église ou les présidents des ligues, des pasteurs et qui sont parmi nous, puissent occuper donc ces places. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout le monde, bon, mais, et quand tu as les filles, et Jean, Amérique m'a va, n'y a pas de Jésus sera avec vous. Vous allez rencontrer le ciel cette nuit. J'en suis convaincu que c'est seulement deux jours que nous allons passer ensemble. C'est vrai, nous pourrions rencontrer des soucis, des difficultés, mais supportons ces difficultés et soucis, et cela nous fera du bien par après. Nous n'avons plus grande chose à dire. Nous allons clôturer en même temps. Demain matin, c'est parti pour 9h. De 9h à 13h. Soyons ponctuels demain matin, s'il vous plaît. Humblement, nous allons vous prier. Nous allons demander au président Félix Ndiaye de nous recommander au Seigneur. Veuillons nous lever. Et le doyen, Papa Lemo, va nous bénir. Prions. Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre Père, pour cette belle journée. Merci pour ce grand rassemblement. Merci parce que ta présence s'est manifestée en ce lieu. Merci parce que tu as donné à ton serviteur le message qu'il fallait entendre, le message qu'il fallait communiquer à ce peuple et à tous ceux qui nous suivent à travers, Seigneur, les réseaux sociaux. Merci parce que, Seigneur, à nous qui avons eu le privilège d'entendre ces choses, nous sommes bénis, richement bénis. Seigneur, je prie enfin que cette parole que nous venons d'entendre continue à nous faire du bien. Transforme notre raisonnement, notre vie, nos ministères, nos familles, nos nations, l'économie de nos églises, l'économie de nos nations, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Seigneur, fais-nous du bien pendant ces trois jours. Seigneur, c'est un rendez-vous, Père éternel divin, un rendez-vous avec le ciel. Amen. Je prie que tu nous inondes de grâce. Amen. Que Seigneur, tu écoutes nos prières, que tu exauces nos prières et que tu bénisses également ce pays qui nous a accueillis, ce pays qui nous a reçus, le Togo. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Israël, peuple de Dieu, l'Éternel te bénit et il veillera sur toi. Dieu tournera sa face vers toi et il te fera grâce. Il tournera sa face vers toi et te donnera la paix. Va au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés au ministère Jésus et la solution,
Merci d'être toujours à l'écoute de ce ministère de réveil qui est le ministère Jésus est la solution. Nous sommes à un grand rendez-vous ce soir, un rendez-vous de prière pour les hommes de Dieu et leur épouse. Voilà, nous avons assez de participants venant des quatre coins du monde. On ne peut jamais débuter cette séance, la clôturer et sans recevoir quelques des avis des participants, raison pour laquelle nous sommes avec un des serviteurs de Dieu ici à qui nous allons donner le micro. Homme de Dieu, shalom. Shalom, monsieur l'animateur. Voilà, alors vous êtes présent ici dans ce grand rendez-vous des serviteurs de Dieu. Voilà, nous voulons vous demander comment est-ce que vous avez trouvé cette initiative. Merci beaucoup pour votre question. Vraiment, cette rencontre a été une rencontre très, très merveilleuse. Et parce que vraiment, par rapport à la prière, ça a bougé non seulement la salle, mais je pense déjà tout le Togo a été bougé. Si les hommes de Dieu se retrouvent ainsi et prier vraiment, beaucoup de choses vont changer dans le pays, non seulement dans le pays, mais sur le monde international. Et donc, vraiment, je suis très joyeux, je suis très content et je souhaite, même si possible, des rencontres, même deux fois dans l'année, serait aussi une bonne chose, selon moi. Le pasteur a déjà participé. Voilà. En fait, si nous sommes là ici, nous, en tant qu'hommes de Dieu, premièrement, je dis. Quand je suis ici, moi aussi, une fois levé les mains et qu'un homme de Dieu a prié pour moi. Et vraiment, c'est du nouveau pour nous. Parce que souvent, nous prions pour le fidèle. Et nous-mêmes, nous avons des problèmes que nous ne savons à qui s'adresser. Mais vraiment, vu la rencontre ici, l'homme de Dieu, l'évangéliste, nous m'envie Dodi Paul, vraiment, il a une onction. Et je dis déjà que c'est un don de Dieu. Et nous n'allons pas le prendre comme une personne, mais un don de Dieu. Nous, il représente. À cette rencontre. Le pasteur, rencontre des serviteurs de Dieu, c'est le serviteur de Dieu et ses difficultés. Alors, nous voulons l'entendre de votre bouche. Est-ce que véritablement les hommes de Dieu rencontrent dans le ministère? Les hommes de Dieu vraiment rencontrent beaucoup de difficultés. Non seulement quand tu pries pour un patient, après, tu vois que la nuit, les esprits méchants retournent contre toi. Et c'est toi qui dois prier. Mais s'il arrive des fois que l'homme de Dieu aussi peut tomber malade, mais il ne sait à qui s'adresser. Mais cette rencontre est bien nommée pour présenter aussi nos problèmes et prier pour nous aussi. Nous, souvent, nous disons aux fidèles de prier pour nous. Mais nous savons quelquefois, certains le font, mais ils ne font pas sincèrement. Mais quand, ici même, quand tu viens, nous avons constaté qu'il y a une onction puissante. Dans la prière même, tu sens que la terre bouge. Donc spirituellement, la terre bouge, les démons fuient. Et donc vraiment, nous savons que le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de tout homme de Dieu ici présent et que nous sommes très fiers par rapport à cela. Merci. Merci, pasteur. Restez béni. Béni à vous aussi. Merci. Et que le ministère aille de l'avant. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, voilà donc les quelques mots du serviteur de Dieu et qui est présent ici à ce grand rendez-vous, à ce séminaire des hommes de Dieu. Voici, c'est rien que le début qui a été annoncé par le serviteur de Dieu déjà. C'était donc une séance qui a débuté avec le message suivi de la prière. Le rendez-vous est pris sur demain matin, matin soir, vendredi matin soir, ce serait l'apothéose le vendredi soir. Et où que vous soyez, bien aimé, relayez cette information. Vous qui n'avez pas fait le déplacement sur le camp de prière, vous pouvez partager l'information autour de vous afin que les hommes de Dieu qui sont là, qui n'ont pas effectué le déplacement, puissent aussi profiter de cette séance de prière ou de ce grand rendez-vous qui fera du bien à tous les serviteurs de Dieu. Alors d'ici là,
où que vous soyez, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur vos vies au nom du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. L'âme que tu n'as jamais gagnée, le ghetto mea, dans les ghettos, que le Seigneur t'accorde cette onction. Il est un petit va en paix. La quatrième édition du séminaire des serviteurs de Dieu, initié par le serviteur de Dieu, évangéliste Paul Dodinmovi, réunissant les serviteurs de Dieu et leurs épouses, aura lieu cette année du mercredi 17 au vendredi 19 janvier 2024 au camp de prière Jésus est la solution, si à provision autour du thème, le serviteur de Dieu et ses difficultés. Au programme, enseignement et prière, le mercredi 17 janvier 2024 de 18h à 21h, jeudi 18 janvier, matin de 9h à 12h et soir de 18h à 21h, enseignement et prière. Vendredi 19 janvier, matin de 9h à 12h et soir de 16h à 19h, enseignement et prière. Venons chercher la face du Seigneur car seul le jeûne et la prière constituent les seuls moyens pour la solution à tous nos problèmes. Nous prierons pour nos problèmes de santé, pour nos foyers, de même que nos persécutions spirituelles et nous demanderons une nouvelle onction pour notre ministère afin de bien diriger les brebis que le Seigneur nous a confiées pour l'élargissement de son royaume. Notez bien, une preuve témoignant que vous êtes serviteur de Dieu est exigée. Pour toute information, contactez le secrétariat du camp sur plus 228 90 95 44 52 ou 97 311 24 21.